Très heureux de vous retrouver une fois encore sur ce rendez-vous média de votre chaîne Speed Line TV où vous pouvez aussi chaque fois nous suivre sur YouTube à travers le lien de Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer encore. Les réformes du système partisan, parlons-en, ces réformes continuent d'être expérimentées tant bien que mal dans certains états-majors des partis politiques. Et les observateurs avertis ne sont pas indifférents à cette expérience qui laisse beaucoup de préoccupations ces derniers temps, notamment avec des jeux de positionnement, d'adhésion ou de démission de certains acteurs politiques. Et c'est l'Union progressiste qui sort gagnant, en tout cas pour des observateurs, depuis quelques semaines avec des adhésions à un point fini. Peut-on évoquer ces adhésions de ralliement de circonstances ou de conviction? La question est entière, mais va sans doute trouver de réponse avec un jeune acteur politique que je reçois aujourd'hui sur ce plateau, Monsieur Romaric Souton. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Louis Assogwa, tout le plaisir pour moi. Vous êtes acteur politique de l'Union progressiste dans la 19e circonscription électorale du Bénin, c'est bien ça? Bien évidemment. Alors nous allons parler des réformes du système partisan, notamment de votre parti politique, l'Union progressiste. Je l'avais annoncé en titre ces derniers temps, qui est en train de recevoir beaucoup d'adhésions. Vous allez le confirmer tout à l'heure. Mais la première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir comment va aujourd'hui la maison de l'Union progressiste à quelques semaines des législatives de 2023. Merci beaucoup pour cette belle question. La maison de l'Union progressiste, le renouveau, se porte très bien parce que c'est désormais l'Union progressiste, le renouveau. Merci pour la précision. Se porte très bien. Et je salue au passage le chef de cette famille de l'Union progressiste, le maître Joseph Tchobenou, qui aujourd'hui impose une très bonne dynamique au sein de cette famille. Et tout va à merveille. Cette maison fait peau neuve. Et vous l'avez certainement constaté, et nous allons certainement revenir aussi sur les précisions, les détails. Alors, dans cette maison. Juste après le départ de Amoussou Bruno, le renard de Tchakotomé, comme on le dit très souvent, désormais à la tête, c'est Tchobenou. Comment vous avez accueilli, puisqu'on n'a pas eu le temps de parler de ça, comment vous avez accueilli l'arrivée de Joseph Tchobenou à la tête de l'Union progressiste, qui est devenue plus tard l'Union progressiste, le renouveau? Merci, nous avons accueilli l'actuel président de l'Union progressiste, le renouveau, avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup de fierté, parce qu'il a été d'ailleurs pour le plus grand nombre des jeunes aujourd'hui au sein de ce parti, le professeur d'université, l'enseignant à l'université, quelqu'un dont nous avons suivi le parcours avec beaucoup de fierté. Nous savons combien il est rigoureux dans tout ce qu'il fait, combien également il a assez d'ambition pour le mieux-être des Béninois. Et donc nous l'avons accepté comme cela se doit, et lui-même, la façon dont il travaille avec la jeunesse, la façon dont il travaille avec les militantes et militants au sein de ce parti montre combien tout le monde du nord au sud est heureux, tout le monde est heureux de sa présence à la tête de ce parti. C'est comme le plus tel, tel que vous parlez, c'est comme si vous ne regrettez pas le départ de Amoussou Bruno, c'est ça? Non, mais je dirais plutôt que Amoussou Bruno, le président Amoussou Bruno n'est pas parti, il a juste quitté la tête du parti. Demeure membre de l'Union progressiste, il est en cette bibliothèque que nous consultons toutes les fois. Et il est toujours là pour donner des conseils, pour orienter. Il est toujours aux côtés du président Joseph Tchobenou. Regretter, pourquoi? Si c'est toujours la famille, s'il est toujours membre de la famille. S'il est toujours membre de la famille, mais on a constaté, je ne sais pas, depuis l'arrivée de Joseph Tchobenou, beaucoup d'adhésions, c'est vrai, on va y arriver tout à l'heure. Mais le premier ralliement qu'on a constaté, c'est le PRD, qui est un parti fétiche, notamment pour la 19e et la 20e circonscription électorale. Je veux parler de Porte-Nouveau en particulier, de l'OME en général. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, vous qui êtes particulièrement, vous étiez entre-temps militant du PRD et vous avez peut-être vu en amont les choses et vous êtes rallié à l'Union progressiste. Et plus tard, votre ancien parti politique vous rejoint également. Comment vous avez accueilli cette nouvelle-là?
Merci pour cette question qui d'ailleurs me rassure et me permet de pouvoir donner mon opinion par rapport à la Tout question. Tout à fait, allez-y, c'est pourquoi le PRD d'abord c'est la sagesse, le PRD c'est l'expérience politique, le PRD c'est plusieurs décennies de combat, donc il y a la capacité, il y a l'expérience, il y a plusieurs acquis que ce parti aujourd'hui met, ou ce S-parti met à l'actif de la nouvelle famille, l'Union progressiste, le renouveau. Mm. Nous avons accueilli cette famille parce que ça nous a non seulement permis de ratisser l'âge, ça nous garantit un tant soit peu, je dirais, la victoire écrasante de notre famille, l'Union progressiste, le renouveau, dans les circonscriptions, à savoir 19e et 20e circonscriptions. Plus précisément, c'est vrai que ça va au-delà de ces deux circonscriptions, à savoir 21e et 22e circonscription, pourquoi pas la 15e circonscription également. Je veux parler de Cotonou, de Akpakpa surtout. Voilà, plus précisément. Donc, nous avons accueilli, non pas ce ralliement, mais cette fusion, parce que le PRD ne s'est pas rallié à l'Union progressiste, il y a eu fusion entre les deux S-partis pour donner naissance à l'Union progressiste, le renouveau. Donc ce n'est pas, il ne s'agit pas d'un ralliement, mais d'une fusion qui a eu lieu entre ces deux partis. Nous avons été heureux parce que, après notre départ, après le départ de certains militants, bon, S-militants du parti du renouveau démocratique, il y a eu toujours cette petite guéguerre qui régnait. Des petits conflits. Voilà, de petits conflits qui s'observaient ça et là, dans Porte-Nouveau plus précisément. Mais les frères qui y étaient ensemble aujourd'hui se sont encore retrouvés. Et nous faisons un très bon brassage parce qu'on savait déjà comment on travaillait. Mm-hmm. Et l'expérience du passé avec la jeunesse d'aujourd'hui. Je veux dire que l'Union progressiste, c'est la jeunesse. Mm-hmm. C'est la jeunesse et le parti du renouveau démocratique, c'est la sagesse. Donc, vous imaginez si quelqu'un qui a le sang jeune a encore de l'expérience, vous voyez qu'il ira très loin. Donc, nous avons concilié ces deux choses pour avoir aujourd'hui un parti fort. Mais que répondrez-vous à ceux-là qui tassent le PRD de quelqu'un qui est venu à la dernière minute, de quelqu'un qui s'est vidé déjà de toute substance, mais qui s'est rallié? C'est vrai que vous n'aimez pas trop le mot ralliement, vous parlez de fusion, mais qui aujourd'hui, certains pensent que le PRD a vendu de coquilles vides pratiquement à l'Union progressiste et qu'il ne restait pratiquement rien au sein du PRD. Que répondez-vous à ceux qui pensent, à ces observateurs qui analysent ça par cet angle-là? En toute sincérité, je ne suis pas de cet avis, parce que je ne dirais pas non plus que les autres partis qui aujourd'hui se rallient vendent du coquille vide, mais je dirais tout simplement que si c'était pareil, on n'allait pas parler en termes de fusion, on allait peut-être parler d'adhésion. Mm-hmm. C'est parce que le PRD est toujours ce qu'il est, le PRD était, est et peut-être ne sera plus, mais le PRD sera toujours dans le renouveau. Mm-hmm. On est d'accord, parce que le PRD se retrouve dans la nouvelle famille politique, dans l'Union progressiste, le renouveau, non seulement par le renouveau, mais également par l'arc-en-ciel qui est toujours là, qui est d'ailleurs le symbole fétiche de ce parti. Donc le PRD est toujours fort dans son fief, toujours fort, peut-être pas aussi fort qu'il est, mais le PRD était dans une dynamique de remontada, travaillait quand même pour ratisser l'âge. Plusieurs partis pouvaient se rallier au PRD, pourquoi pas, pour que le PRD arrive à tirer son épingle du jeu. Mais l'humilité qu'incarnent les dirigeants de notre famille politique, de l'Union progressiste, le renouveau, les a amenés. Je veux plus précisément parler des deux grands leaders, du père qui est le maître Adrien Oumbédi et du fils qui est maître Joseph Diogbenou, qui se sont entendus et qui ont pu faire taire leur ego pour donner naissance à cette nouvelle famille qui aujourd'hui rassure la jeunesse, qui rassure les militants que demain sera encore plus meilleur pour eux. Certains pensent que l'arrivée de PRD, du Parti Renouveau Démocratique, ou bien S-Parti désormais, que c'était par peur, parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir, n'est-ce pas,
retrouver les 10% aux prochaines législatives et que ça pourrait, n'est-ce pas, faire disparaître définitivement le parti politique et que c'est ça qui a fait que le PRD a su faire le jeu en se fusionnant, comme vous le dites, à l'Union progressiste. Je suis bien tenté de vous dire que ce que les gens pensent n'est pas important. Mais c'est ce que vous savez de vous-même qui est beaucoup plus important. C'est l'Union progressiste qui est allée faire la cour à la femme qu'est le PRD. Et la femme a accepté, le mariage a eu lieu. Et le mari continue d'épouser d'autres femmes parce que cette femme a dit oui, qu'elle est prête à accepter que le mari soit polygame. Et nous sommes dans cette polygamie qui va donner naissance à une seule famille. C'est vrai, l'homme quitte son père et sa mère, la femme également, et les deux font un. Mais dans la politique aujourd'hui, beaucoup sont en train de quitter leurs parents. Dans la politique aujourd'hui, il n'y a plus la monogamie, c'est plutôt la polygamie. C'est la polygamie dans un processus donné qui va finir par la monogamie, parce que nous allons finir par nous retrouver dans une seule famille. On ne parlera plus du PRD, on ne parlera plus de l'Union progressiste, on ne parlera plus de ces partis politiques qui aujourd'hui adhèrent à l'Union progressiste, mais on va parler tout simplement de l'Union progressiste, le renouveau. Et aujourd'hui, avec cette fusion, comment la cohabitation se fait entre les militants des premières heures de l'Union progressiste et aujourd'hui les militants du PRD qui se sont fusionnés à l'UP pour devenir l'Union progressiste, le renouveau? Comment la cohabitation se fait, notamment dans la 18e, dans la 19e et la 20e circonscription électorale? En politique, il n'y a que l'addition, la multiplication, mais jamais la soustraction, jamais la division. Quelle que soit l'heure à laquelle chacun est venu à l'Union progressiste, le renouveau, je crois que ce qui importe, c'est la considération que nous avons les uns pour les autres. Moi, je ne voudrais pas, et d'ailleurs, c'est ce que le Présidium nous enseigne depuis quelques jours, surtout à travers la tournée que fais-tu ce Présidium, l'humilité et savoir que, quelle que soit l'heure à laquelle un parti a fait son ralliement à l'Union progressiste, le renouveau, que tu sois militant de première heure ou militant de dernières heures, nous devons savoir que nous avons les mêmes droits. Nous sommes sur les mêmes pieds d'égalité. S'il n'y a pas d'autres militants, comment les militants de première heure pourront gagner les objectifs qui se sont fixés ou atteindre les objectifs du parti? Ce n'est pas possible. Mais il faut que d'autres militants viennent. Mais ils étaient militants ailleurs. Le militantisme, c'est l'expérience de plusieurs combats. On est d'accord? Donc aujourd'hui, nous ne parlons pas au sein de l'Union progressiste en termes de militants de première heure, de dernière heure. Mais nous parlons en termes de militants du parti l'Union progressiste. Le Présidium était, la dernière fois, je crois, il y a cela deux jours, à Porto Novo, pour entretenir les militants, les comités de supervision de chaque session, les enseignants, les artisans, en tout cas plusieurs catégories de toutes les couches sociales, même les têtes couronnées et tout. Nous pouvons retenir comme substance de leur entretien que c'est l'humilité qui sera la clé de cette victoire que nous sommes en train de vouloir enregistré dès les prochains jours, la bataille du 8 janvier prochain, parce que le président l'a dit au Septentrion, et Jolidon Lafia nous l'a rappelé quand il était, parce qu'il faisait partie de la délégation, à l'Union progressiste, il n'est pas question de dire, de se faire dos ou de se retrouver face à face, mais de se retrouver côte à côte. Quelle que soit l'heure à laquelle tu es venu, tu es à côté de celui qui était là. Il n'est pas devant toi, tu n'es pas derrière lui, tu n'es pas non plus devant lui et lui derrière toi. Mais vous êtes côte à côte. Du président jusqu'au dernier militant, nous sommes côte à côte. Donc chacun va forcément se retrouver dans ce qui se fait, dans les visions, dans la vision du parti, dans les objectifs assignés à chaque militant. Et donc ce n'est qu'avec ce
humilité que nous allons réellement pouvoir atteindre les objectifs. Et vous allez voir dès les prochaines heures. Ben, vous parlez des prochaines heures et pourtant vous parlez des militants qui devront être côte à côte. Mais on a constaté juste après cette fusion qu'on n'a pas eu le temps de voir, sinon d'observer ou de constater la présence de certains leaders de l'ancien PRD dans la nouvelle nomenclature, dans la nouvelle configuration de l'Union progressiste et le renouveau. Oui, mais il y a toujours les anciens PRD qui sont à tous les niveaux de décision, à toutes les instances de décision. Dans la nouvelle configuration, présidium et autres, on n'a pas eu le temps de voir comme ça les anciens leaders. On a constaté qu'ils sont en quelque sorte relégués au dernier plan. Au présidium, il n'y a que 3 personnes. Et les 3 personnes sont maintenues au présidium. Mais ce n'est pas le présidium qui décide à... Pour le compte du parti, il y a plusieurs instances. Il y a la direction exécutive nationale, où il y a les représentants de l'SPRD, il y a le bureau politique national, où il y a les représentants de l'SPRD. Actuellement, il y a le comité national de campagne qui a été mis en place, toujours par les responsables. À ce niveau encore, il y a les représentants de l'SPRD. Et à quel niveau il n'y a pas les représentants de l'SPRD? Bon, c'est à vous de me le dire. Parce je vous rassure que l'SPRD est à tous les niveaux. À tous les niveaux. En tout cas, on aura le temps également. Et rien ne se fait sans l'SPRD. D'accord. On aura le temps également de faire ce constat-là, d'apprécier ce mariage qui a eu lieu à la surprise générale de tous les Béninois et des acteurs politiques en particulier. Nous allons parler cette fois-ci, nous parlons toujours de l'Union progressiste qui ces derniers temps est entrée au-delà, à l'instar de la fusion avec le PRD qui a pratiquement ouvert, n'est-ce pas, le bal. Nous constatons également qu'il y a d'autres adhésions aujourd'hui au sein de l'Union progressiste. Certains partis politiques d'hier, même de l'opposition qui se réclamait de l'opposition, je veux parler par exemple de l'acteur politique Valentin Adetikoudé, de l'autre côté, à la surprise générale, on voit qu'il y a tellement d'adhésions ces derniers temps. Comment vous appréciez ces différentes adhésions-là? Je voudrais commencer d'abord par ceux qui étaient de l'opposition, mais qui ont rejoint l'Union progressiste, le renouveau, ou je dirais les blocs de la mouvance présidentielle. Vous savez, au début, il y avait beaucoup de préjugés. Chacun se faisait son opinion de la rupture du gouvernement du président Patrice Talon, de la vision de cette rupture. Mais chemin faisant, on a commencé par constater qu'en fait, ce qu'on se disait ou ce qu'on pensait était faux par rapport à la réalité. Le pays n'est plus au même niveau aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller de l'avant, d'avancer à grands pas, à une grande vitesse. Et il faut que même ceux qui critiquaient hier soient artisans de cette réussite, de ce développement, de cette dynamique qui nous conduit vers un développement durable. Donc ce qui a motivé ceux qui étaient dans l'opposition à rejoindre la BAC, si tu es de l'opposition et tu finis par constater qu'en fait, ça ne sert à rien d'être opposant. Tu t'opposes à quoi? Au développement de ce pays-là? Ou tu t'opposes au mieux-être de la population béninoise? Tu t'opposes aux belles visions du président de la République? Ou c'est le fait d'être opposant qui est la chose la plus importante? Mais si tu penses que tu t'opposes au développement, alors, il vaut mieux ne plus t'opposer au développement. C'est ce qui a amené la plupart de ceux qui y étaient opposants à devenir membres de la majorité présidentielle aujourd'hui. Les adhésions. Nous sommes en train de connaître assez d'adhésions. Nous n'avons pas fini d'enregistrer ces adhésions parce que vous voyez que la dynamique de l'Union progressiste a changé. Ça évolue du moins. La dynamique a été renforcée. La dynamique a été revue encore, et la dynamique a été mise à jour
et nous marchons vers le développement, un réel développement. Le mieux-être de la population, c'est la priorité de l'Union progressiste. Mais la population aujourd'hui ne se sent pas trop concernée par rapport à ce qui se fait sur le terrain. En fait, si vous voulez... On voit que c'est la chose des acteurs politiques uniquement et non de la population. Est-ce qu'il y a des actions aujourd'hui qui vont au profit de cette population dont vous défendez dans vos propos? Quand nous parlons d'action, nous allons encore faire recours au programme d'action du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nous étions en train de parler des adhésions. Mais si nous faisons recours tout de suite au programme d'action du gouvernement, vous savez que c'est le mieux-être de la population, c'est le hautement social, mais qui ne se fait pas de la même manière qu'avant, mais qui a changé de stratégie, de méthode, de façon à ce que ce dont bénéficie la population aujourd'hui puisse rester durablement. Donc, la population est suffisamment concernée. C'est parce que s'il y a tous ces murmures que vous enregistrez, c'est parce que les gens n'ont pas encore... Bon, tout le monde n'a pas encore compris le bien fondé de la chose. On parlait des éléphants blancs d'hier, mais quand on a su réellement qu'avec la rupture, il n'est jamais question d'éléphants blancs, on n'en parle plus. On n'en parle plus parce que tout est réel, tout est concret et nous touchons de doigt le développement. On est d'accord? Donc la population est suffisamment concernée, suffisamment impliquée même parce qu'on ne peut pas impliquer tout le monde. Peut-être des gens qu'on n'a pas impliqués dans ce processus parlent et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais quand ils vont encore voir que leur secteur, parce que rien n'est laissé pour compte, tout est pris en compte, tous les secteurs sont impactés par cette nouvelle transformation, ce qui se fait, cette nouvelle stratégie pour le mieux-être de la population béninoise. Maintenant, je peux revenir sur la question d'adhésion notamment. La réforme du système partisan est en train de montrer, je dirais, sa réussite, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas un échec? Parce que d'autres voient ça sous un autre angle. Parlant d'échec, comment se fait-il que des partis politiques qui sont créés après cette réforme, aujourd'hui, se laisse pour d'autres partis politiques? C'est ça que je m'en vais vous expliquer. Allez-y. C'est des partis politiques qui ont été créés parce que les conditions ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, il faut forcément avoir des militants dans toutes les communes du Bénin. Si des partis politiques avaient déployé assez d'énergie hier pour voir le jour, pensant pouvoir réunir les 10%, parce que la question de 10% est toujours d'actualité, et ces partis pensaient hier pouvoir réunir les 10% pour se faire représenter, soit dans des conseils communaux ou à l'Assemblée nationale. Mais étant donné que la question de 10% est toujours d'actualité, que ces partis ont fait leur preuve en 2020 et ont réalisé qu'en fait, c'était pas du tout possible, c'était presque pas possible pour eux d'atteindre les 10%, de réunir les 10% pour avoir des représentants au niveau des communes ou aujourd'hui, je dirais dès les prochains jours, dès le 8 janvier prochain à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait normal que ces partis rejoignent les grands blocs. Parce que ces partis peut-être avaient pensé qu'on allait revoir cette partie relative à la question de 10%. Mais ce qui n'est pas le cas, c'est maintenu. On n'a pas révisé le code pour ça. Mais là, vous confirmez que ce n'est pas par conviction qu'ils sont là et que c'est juste par circonstance. C'est à cause de ces 10%, la peur de ne pas avoir ces 10% qui a fait que ces partis politiques-là se rallient à l'Union progressiste. Non, mais attendez, il y a pas que l'Union progressiste comme bloc. Si ce n'est pas par conviction, ils pouvaient tous venir à l'Union progressiste, mais il y a d'autres partis qui se rallient au bloc républicain. Mais ils ne sont pas assez. Je l'ai dit tantôt, l'Union progressiste est quand même frappant ces derniers temps. Mais c'est la preuve que beaucoup ont épousé la vision de l'Union progressiste. Si beaucoup ont épousé la vision de l'Union progressiste, c'est tout à fait normal que beaucoup viennent vers l'Union progressiste. Ça veut dire que la question de conviction est encore là. Si je ne suis pas allé au bloc républicain et que je vais vers l'Union progressiste, c'est que ce que je pense être juste pour mon combat se retrouve au sein de l'Union progressiste, le renouveau. Non pas au sein du bloc républicain. Mais si je vais vers le bloc républicain, c'est que ce que j'estime être substance de mon combat est à ce niveau. Ma conviction, je la retrouve là. Est-ce que ce n'est pas une question de positionnement?
qui a fait que ces partis politiques-là aujourd'hui se retrouvent plus. Parce qu'on le veut ou non, vous pouvez le confirmer, si on devrait être réaliste, qui a beaucoup d'adhésion au sein de l'Union progressiste que le Bloc républicain. Le Bloc républicain, c'est vrai qu'on va parler jusque-là d'une seule grande adhésion, la preuve. Au contraire même, il y a certains qui quittent le Bloc républicain pour l'Union progressiste. Est-ce que ce n'est pas une question de positionnement qui a fait que beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans l'Union progressiste? Je vais vous dire, en partie non, c'est vrai qu'on ne peut pas aller dans la pensée des uns et des autres. Tout à fait. Mais je me permets de vous dire non, parce que hier, ce qui se faisait était quoi? C'est que les individus peuvent avoir une capacité de rassemblement ou d'avoir beaucoup de personnes derrière eux et essayer de vendre cela aux partis politiques, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus rien à vendre sur le marché politique aujourd'hui. Ce sont les partis qui sont forts, non pas des individus. Donc, c'est le parti qui responsabilise des gens pour étudier des dossiers. C'est le parti qui responsabilise des gens pour apprécier, je dirais, les potentialités de chaque, candidat, potentiel candidat. De chaque potentiel candidat, si on peut le dire ainsi. Non pas des individus forts qu'on avait hier aujourd'hui et qui aujourd'hui arrivent, qu'on avait hier du moins, c'est qui faisaient, qui vendaient de quoi ils étaient capables au parti politique hier. Mais de nos jours, c'est le parti qui est fort. C'est le parti qui est suffisamment fort. La preuve, c'est le parti qui a la majorité, qui désigne ses représentants dans les conseils communaux. C'est le parti qui a gagné les élections, qui désigne celui qui sera maire ou agent au maire ou chef d'arrondissement. On est d'accord? Ce n'est pas l'individu qui dit que c'est lui qui doit forcément être tel ou tel. Le parti désormais au-delà des intérêts individuels, vous voulez dire? Le parti est fort, mais l'homme, l'individu est faible parce que seul on ne peut rien. Mais le parti est fort. Nous voulons avoir de grands blocs, c'est ce que le chef de l'État a dit. Nous voulons qu'il y ait de grands blocs comme aux États-Unis, comme en France, où il y a ceux de la gauche, de la droite, il y a des républicains, il y a des démocrates, on est d'accord, aux États-Unis. Au Bénin aussi, aujourd'hui, est en train d'emboîter les pas à ces grandes nations, parce que nous voulons également construire notre pays, peut-être en nous inspirant, mais en faisant mieux que ces grandes nations également. Voilà ce pourquoi on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est parce que les gens veulent être positionnés qu'ils courent pour aller. Il y a des gens qui étaient là, on est d'accord? Il y a des gens qui viennent d'arriver comme eux et ils ne sont pas les seuls à venir dans le parti. Donc ce qui compte, c'est la vision. Ce qui compte, c'est arriver à travailler pour l'atteinte des objectifs du parti. Parce que nous ne voyons pas à l'Union progressiste que 2023. 2026. Nous voyons beaucoup plus 2026. 2026 et au-delà même et de 2026. Tout ce qui viendra après 2026. Monsieur Sautant, vous semblez défendre bec et ongles. C'est de votre droit, l'Union progressiste, avec tout ce qui va, notamment les nouvelles adhésions. Vous parlez beaucoup plus de conviction. Mais on voit chez les acteurs politiques, à l'approche des élections, on voit souvent ces ralliements, ces fusions, au-delà même des réformes du système partisan. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas le fait que juste après peut-être les élections, chacun ira droit peut-être dans son camp encore pour laisser peut-être encore le parti voler en éclat? La réussite, c'est une succession d'échecs. La réussite de toutes choses est une succession d'échecs. Moi, j'ai l'habitude de dire que celui qui n'échoue pas ne peut jamais réussir. Celui qui n'entreprend pas ne peut pas rencontrer de difficultés. Quand on parle de réforme du système partisan, ce n'est pas seulement à celui qui a pensé, ce n'est pas à lui seul de réussir cette réforme. Il faut expérimenter également la réforme. Et si vous voyez des imperfections par endroit, tous ensemble, nous allons encore corriger ces imperfections. Mais pourquoi nous nous attendons à voir que ce que l'homme a fait, aucune perfection n'est de ce monde? Tout à fait. Sauf du côté spirituel, du côté divin. Encore là, c'est un débat. On est d'accord? Donc, toute œuvre humaine souffre d'imperfection forcément. Cela voudra dire que vous reconnaissez en quelque sorte que toute surprise peut venir juste après les élections législatives, que ceux-là qui se rallient aujourd'hui peuvent demain voler en quelque sorte en éclat et une fois leurs intérêts touchés, peut-être aller encore ailleurs. Mais en toute sincérité, il y a ce droit de la liberté, comment dirais-je, d'appartenir à un groupe
qui ne peut, comment dirais-je, empêcher quelqu'un de partir. D'exprimer sa liberté, son expression. On peut venir. Comme on peut partir. On peut aussi partir. Mais au-delà de ça, il n'y a que certains observateurs, même d'autres acteurs politiques qui ne partagent pas les mêmes visions que vous, qualifient ces ralliements, ces fusions d'inutiles, de coquilles vides. On dit parfois même que ce sont juste des acteurs qui se rallient et que les militants à la base ne sont pas du tout en accord avec ces acteurs politiques. Que pensez-vous de ces différentes déclarations? C'est leur opinion. C'est leur opinion parce qu'il y a un adage qui dit que c'est la fin qui justifie les moyens. C'est toujours bien d'attendre de voir la finalité parce qu'on a traité le président Patrice Talon de tout quand il a commencé par se lancer dans des réformes audacieuses, courageuses. Mais nous avons vu comment les choses réussissent aujourd'hui. Beaucoup pensent, c'est vrai, que tous ceux-là qui viennent aujourd'hui pourront partir demain. Tout le monde n'a pas la même conviction. Tout le monde n'a pas la même conviction. Du coup, tous ceux qui viennent peuvent ne pas rester. De la façon dont d'autres peuvent partir demain, de la même façon d'autres viendront encore demain. Mm-hmm. Nous, notre objectif, c'est de travailler à ce que le plus grand nombre reste membre de l'Union Progressiste Le Renouveau. Et nous allons travailler pour, parce que la jeunesse se retrouve encore de plus en plus par la vision de ce parti. Mmh. Et vous allez voir que la jeunesse constitue plus de la moitié de la population. Et moi, je suis jeune quand même. Tout à fait, on va parler tout à l'heure de la jeunesse notamment. Et je ne suis pas le seul à représenter valablement le parti. À ces gens sur ces genres de plateaux où nous parlons valablement du parti. Même si ce n'est pas forcément le parti qui nous envoie parler de lui, parce que c'est notre famille. Quand on pose des questions relatives à la famille, il faut pouvoir défendre, il faut pouvoir parler mieux et très aisément de la famille. Aisément de la famille. Un autre constat qui est fait au sein du parti l'Union Progressiste, on a constaté que c'est juste après l'arrivée de Job Bounou que ces adhésions-là se multiplient. On se pose la question aujourd'hui de savoir, est-ce la dynamique, n'est-ce pas, de Maître Joseph Job Bounou qui est en train de faire ses preuves, ou c'est juste une question de coïncidence qui a fait qu'on est en train de noter ces adhésions-là? Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose la question comme ça, à travers ces différentes déclarations des observateurs de la vie politique au Bénin, moi je vous pose la question ici au plateau de savoir, est-ce qu'on peut mettre ces différentes adhésions à l'actif de Maître Joseph Job Bounou une fois à la tête du parti politique? Moi, je me demande si c'est une question ou une réalité. C'est une question, c'est à vous maintenant de confirmer. Je vous dis que c'est une réalité. Une réalité, peut-être qu'il y a de coïncidence dedans, mais c'est une réalité. Parce que le président Job Bounou bouge beaucoup. Il est focus dans ses bottes et il sait où il va. Et il amène tous les militants et militantes de l'Union Progressiste, le Renouveau, à lui emboîter les pas. Et il cultive beaucoup. Il nous amène également à cultiver l'humilité. L'humilité parce que je suis croyant et il y a les Écritures Saintes qui disent que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Un leader, c'est un serviteur. Si vous savez que vous êtes à une position où vous devez servir les autres, mais les autres forcément vont vous suivre. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, le président bouge. Il forme, quand il prend la parole, et le jeune qui l'écoute reçoit forcément une leçon, un enseignement, et apprend de lui. Et ceux qui restent à l'écart et qui observent finissent par adhérer encore à tout ce qui sort de sa bouche, finissent par adhérer encore à tout ce qu'il pose comme acte. Nous sommes en train d'avancer, et même plusieurs réformes au niveau des tests qui régissent notre État sont encore à l'actif du président Job Bounou. Mais on ne peut que le suivre. Mais il y a quand même que des Béninois aujourd'hui, certains, en tout cas, selon les dits de certains opposants, des Béninois gardent de mauvais souvenirs au passage de Joseph Job Bounou à la tête de la Cour constitutionnelle. Mais vous le présentez aujourd'hui comme quelqu'un qui est tout blanc et que, au-delà de tout, il est propre, il n'est pas, on ne devrait pas lui attribuer quelque chose de négatif par le passé. Vous savez, tout le monde vous applaudit, c'est que vous n'êtes pas de ce monde. Quel que soit ce que vous allez faire, tout le monde ne peut jamais vous applaudir.
même si visiblement la personne voit que ce que vous faites est bien, peut-être parce que la personne n'a pas ses intérêts, la personne dira que non, que voilà, ça souffre quand même d'insuffisance. Donc nous ne nous attendons pas à ce que tout le monde, tous les Béninois applaudissent le président Diogbenou. Mais disons-nous quand même la vérité. Le président Diogbenou a dit, quand il quittait même la Cour constitutionnelle, dans la vie, ce qui compte, ce ne sont pas les positions, mais ce sont les objectifs. Il s'est fixé un objectif. Il a atteint l'objectif. Et il y a de nouveaux objectifs qui l'attendent. L'objectif qui est peut-être mal apprécié, il faut le dire. J'ai reçu même sur ce plateau l'un des militants de Bloc Républicain, l'autre parti, l'un des militants, l'un des membres même, Dr. Bertin Corvi, qui n'a pas du tout apprécié le passage de Joseph Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle, qui même tasse ce mariage de circonstances et dit que ça va voler peut-être en éclats. La question n'est pas là. Mais la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous reconnaissez qu'aujourd'hui, qu'au-delà du fait que les deux partis, les deux grands partis politiques ou les deux grands regroupements aujourd'hui soient à l'actif du chef de l'État, mais cependant, ces deux grands partis politiques, il y a de guéguerres entre eux, ou on quitte la BAC de Bloc Républicain pour se retrouver à l'Union Progressiste, ou encore on quitte l'Union Progressiste pour se retrouver à Bloc Républicain. N'est-ce pas là un échec de la réforme du système partisan? Mais attendez, même si vous n'auriez pas voulu que j'en parle, vous voulez que le grand frère, mon aîné, Bertin Corvi, membre du Bloc Républicain, vienne applaudir le président Diogbenou, qui est l'actuel président de l'Union Progressiste. Mais quand même, les deux partis sont pour le chef de l'État. Les deux partagent la même vision. Mais comment se fait-il que les deux partis-là se font la entre eux? Non, mais pensez-vous qu'un membre de l'Union Progressiste ira dire aux militants « Votez le parti qui vous convient le mieux entre le Bloc Républicain et l'Union Progressiste ?» Jamais. Il dira « Voilà pourquoi vous allez voter pour l'Union Progressiste, le Renouveau. Voilà ce que vous aurez ici et que vous n'aurez nulle part ailleurs. » Voilà, voilà, voilà. Donc, mais quand le grand frère Bertin Corvi parle du passage du président Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle, mais c'est pour discréditer l'Union Progressiste. Certainement, c'est pour montrer que le meilleur bloc, c'est le Bloc Républicain. Mais il était dans sa peau, il disait ce qu'il pouvait dire le mieux. Mais moi, je dis, soyons objectifs. Si quelqu'un fait bien, nous devons pouvoir dire il a bien fait. Que nous soyons de la même famille politique que la personne ou pas, nous devons pouvoir dire « Oui, la personne a bien fait. » Mais voilà, moi, ma famille, c'est elle. Et ce que ma famille vend, c'est elle. Je n'ai pas intérêt, moi. Je ne gagne rien à discréditer le Bloc Républicain. Sur le plateau, je peux, j'ai l'opportunité de dire « Voilà, 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 les insuffisants du Bloc Républicain. » Mais écoutez, je ne suis pas là pour ça. Ce qui est important, c'est de montrer ce que vous défendez comme vision, comme idéal. C'est quoi la cause que vous défendez? Qu'est-ce que vous prévoyez pour la population béninoise? C'est quoi l'avenir que vous voulez sculpter pour les Béninoises et Béninois? On est d'accord? Ça ne sert à rien de venir dire tel est bon, tel est mauvais, parce que, attendez, vous allez voir. Moi, je pense quand même que ce qui importe, surtout en politique, et surtout, c'est ce que nous devons cultiver désormais. La jeunesse, principalement, doit savoir que elle doit travailler sur ce qu'elle a, ou sur ce qu'elle veut vendre, sur son avenir. Plutôt que de se mettre à parler de l'autre, à discréditer l'autre, à parler des insuffisances de l'autre, concentrons-nous beaucoup plus sur ce que nous vendons. Concentrons-nous beaucoup plus sur ce que nous voulons faire pour les Béninois. Nous avons eu à faire quoi? Nous faisons quoi aujourd'hui et nous prévoyons de faire quoi pour l'avenir? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Je reste toujours avec vous, Romain Kassotan, jeunateur politique, pour évoquer cette fois-ci la question du positionnement. C'est très important. Nous sommes à quelques semaines des législatives, mais déjà les tractations se font déjà dans les états-majors. Il n'y a que même des partis politiques font déjà appel à la candidature pour le positionnement. Aujourd'hui, la question est relative beaucoup plus à la jeunesse. Est-ce que la jeunesse, cette fois-ci, va être prise en compte dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, dans les prochaines
joute dans les prochaines élections et aussi dans les prochains projets de votre parti politique et l'Union progressiste, notamment dans la 19e et la 20e circonscription électorale. Je vous répondrai déjà en disant que la jeunesse est avant tout un état d'esprit. Oui, lorsqu'on parle de la jeunesse, on s'attend à voir celui qui est à la fleur de l'âge. Et oui, c'est vrai, c'est la jeunesse physique. Mais la jeunesse, c'est avant tout un état d'esprit. Vous allez voir des gens qui sont du troisième âge, mais quand ils s'expriment, le jeune se retrouve mieux dans leur discours que dans celui de l'autre qui est de la même génération que lui. La jeunesse a toujours été prise en compte. Je parle de la jeunesse physique. A toujours été prise en compte par l'Union progressiste, le renouveau. Nous avons les maires les plus jeunes de ce pays. Nous avons déjà même à l'Assemblée de jeunes députés. Nous avons même au gouvernement de jeunes ministres. Et nous avons des jeunes qui parlent au nom du parti à tous les niveaux. Nous avons des gens qui ont le sens jeune, qui défendent valablement le parti. Et le parti a fait à soi des personnes suffisamment matures, suffisamment expérimentées pour étudier même les dossiers de potentiels candidats. Et ce n'est pas, en fait, le sang jeune qui compte, mais c'est la jeunesse qui compte. Je dis, ce n'est pas la jeunesse physique qui compte, mais c'est d'abord l'état d'esprit de jeune qui compte. Et je crois qu'il n'y aura pas que ce critère. Il y aura également le critère de peut-être... le taux de popularité, pourquoi pas, il y aura le critère de l'expérience, de la capacité intellectuelle ou non. Il y aura beaucoup, beaucoup de critères. Bon, moi, je ne connais pas, parce que je ne fais pas partie de ceux qui sont retenus pour conduire, étudier les candidatures. Mais je sais quand même que l'objectivité règne suffisamment au sein de l'Union progressiste. Et nous sommes très bien organisés et je veux rassurer la jeunesse qu'au-delà même de cette jeunesse qui est un état d'esprit, nous aurons aussi des jeunes physiques, des jeunes qui ont l'âge, qui sont à la fleur de l'âge, qui seront certainement positionnés. Parce que notre parti, c'est un parti de la jeunesse. Un parti de la jeunesse, surtout avec un certain maître Joseph Diogbenou à la tête. Encore vous confirmez, très jeune. Très jeune. Et parlant de la jeunesse, je vais un peu, puisque nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission, je vais revenir un peu sur vous-même, parce que vous avez parlé de l'Union progressiste, mais vous-même, aujourd'hui, dans la 19e et 20e circonscription, il n'y a que vous menez des projets à l'endroit de cette jeunesse-là. Il s'agit de quoi concrètement? Nous avons toujours mené des projets à l'endroit de la jeunesse, parce qu'on est jeune qu'une seule fois. Et tant que vous avez ce sang jeune qui coule dans vos veines, vous devez quand même immortaliser cette étape-là de votre vie. Nous avons, depuis 2015, commencé par former plusieurs centaines de jeunes à Porto Novo sur la thématique de l'entrepreneuriat, sur comment devenir un vrai chef d'entreprise, comment entreprendre, comment peut-être partir du peu que vous avez ou même de rien pour réussir dans la vie. Donc c'est le mieux-être, je dirais, c'est l'épanouissement de la jeunesse qui est notre priorité. Parce que si le jeune n'est pas épanoui dans sa poche, il lui sera difficile d'atteindre l'épanouissement dans les autres dimensions qui restent. Mm-hmm. Et donc, au-delà de ça, nous invitons, même parlant de ça, nous invitons des leaders, même des hommes d'affaires qui ne sont pas de notre nationalité, à venir entretenir la jeunesse, surtout à partager leur expérience avec la jeunesse, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, comment ils ont pu lever ces difficultés, ces barrières pour réussir dans la vie. Et il y a de cela quelques temps, nous avons également permis à la jeunesse de Porto Novo, dans les 100 quartiers de Porto Novo, de prendre connaissance du contenu, du volet social et l'employabilité des jeunes dans le programme d'action du gouvernement du président. Parce que nous pouvons passer encore 5 ans sans pouvoir profiter suffisamment des opportunités qu'il y a dans ce programme d'action du gouvernement. Nous parlons de tout ce qui concerne le volet social et l'employabilité. Et l'employabilité surtout. Maintenant, aujourd'hui, quel impact ce projet ou ces initiatives ont sur la vie politique et notamment à Porto Novo? Au-delà, avant de revenir à cette question, au-delà même de cette sensibilisation, nous avons réalisé, et nous continuons d'ailleurs de le faire,
un peu, sinon un peu plus de 4 500 adolescents sécurisés à la population de Porte-Nouveau. Gratuitement. Oui, gratuitement. Nous avons financé ça nous-mêmes. Nous sommes allés dans tous les quartiers pour voir ceux qui sont beaucoup plus dans le besoin, ceux qui n'ont pas les moyens de se faire cet acte de naissance sécurisé. Et nous avons lancé la requête et tous ceux-là aujourd'hui sont entrés en possession de leur acte de naissance sécurisé. Mmh. On continue même la distribution. Les prochains jours, vous allez encore constater que nous allons distribuer plusieurs milliers parce que ça nous reste au moins 1500 à 1800 actes de naissance sécurisés à distribuer. Eh bien, au-delà de ça. Parlant de l'impact, beaucoup d'enfants aujourd'hui sont en train de préparer leur examen. Ils ont besoin des actes de naissance. Les gens nous appellent pour dire bon, ceux qui n'ont pas eu, n'ont pas pu bénéficier de ce que nous avions fait, ah, mon enfant va au CEP, voilà. Et on les appelle, envoyés, nous continuons de réaliser. Donc, nous sommes en train de doigter banalement les 5000 actes de naissance sécurisés déjà. On ira au-delà. Tant qu'on aura les moyens de le faire, nous allons toujours le faire. Pas ouais, seulement pour la population de Porte-Nouveau, mais dès que possible, nous irons au-delà. Ah ben là, très souvent, est-ce que ces actes-là, ce n'est pas peut-être pour acheter la conscience des électeurs, par exemple, pour les législatives à venir, ou encore pour avoir plus de popularité? Est-ce que l'intérêt, c'est pour sauver la population ou bien pour se faire un intérêt personnel? Vous savez, quelque chose que vous allez faire, les gens vont interpréter ça à leur manière. Mmh. On est d'accord? Nous avons pris l'engagement d'accompagner l'Union progressiste Le Renouveau. C'est vrai, c'est pas notre leadership, mais c'est l'Union progressiste Le Renouveau qui a posé tous ces actes. Mmh. Nous avons voulu accompagner le chef de l'État dans son projet de hautement social. Et ce n'est pas que lui qui fera ce hautement social-là, il faut que nous puissions participer, l'accompagner, acheter la conscience. Nous n'avons pas donné de l'argent parce que c'est surtout ce qui symbolise la charte de conscience. On est d'accord? Mais nous avons, si vous voyez quelqu'un en difficulté et vous sautez à son secours, on va dire que vous avez acheté sa conscience. Nous, c'est pour cela que nous avons mené une petite enquête et nous sommes allés vers ceux qui sont beaucoup plus dans le besoin. Si on parle d'achat de conscience, on ira voir n'importe qui pour dire voilà, nous vous offrons telle chose en retour. Donnez-nous votre voix, en retour, faites ceci, faites cela. Ce n'est pas, ça n'a jamais été question d'acheter la conscience de quelqu'un. Mais plutôt, nous faisons une petite enquête et nous voyons les besoins, les vrais besoins, les réels besoins de la population. Et nous réfléchissons à comment venir en aide à cette population en mettant à sa disposition ce dont elle a besoin. Donc, vous pouvez être rassuré que nous n'avons jamais acheter la conscience de qui que ce soit. Si vous faites du bien, vous aurez le bien en retour. Oui. Parce qu'il y a les Écritures saintes qui disent toujours qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tout à fait. Et suite à cela, moi, je vous pose une toute dernière question avant de clore cette émission. Est-ce que vous serez candidat également pour les prochaines législatives? Nous sommes encore très loin de savoir qui sera candidat ou non pour les prochaines législatives. Et même si vous prenez un fou, aujourd'hui, vous demandez si ce fou-là veut être député à l'Assemblée, il vous dira oui. Mmh. Mais il faut que le parti étudie tout ce qui mérite de le représenter à l'Assemblée nationale. Mmh. Je vous dirai tout simplement qu'il n'y a pas ce militant qui n'a pas certainement envie d'aller à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la volonté qui manque. Nous avons nous avons la volonté. Mais il faudrait d'abord que le parti, c'est le parti qui étudie et voit que nous méritons, pourquoi pas, de le représenter. Mais si le parti pense que d'autres méritent mieux de le représenter, nous allons travailler pour l'atteinte des objectifs de ce parti. De ce parti politique. Là, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Free Speech où nous décryptons l'actualité. Quel mot de fin vous avez à lancer à l'endroit de la population, notamment de l'Union progressiste également? Merci. J'allais commencer d'abord par l'Union progressiste Le Renouveau en remerciant le président Joseph Fifamé Diogbenou pour son leadership, pour sa clairvoyance, pour son degré d'humilité et tout le présidium. Je salue leur disponibilité qui aujourd'hui rassure les uns et les autres, les militants à tous les niveaux, tous les responsables à divers niveaux. Le coordonnateur départemental, le camarade président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou, qui est toujours disponible malgré son agenda très chargé pour aller au contact de la population, pour écouter la population, qui pour aider, pourquoi pas, la population. Je salue le maire de la commune de Porte-Nouveau, qui est très jeune d'esprit, jeune physiquement,
et très dynamique d'ailleurs, qui a révolutionné Porte-Novo en quelques années. Et à l'endroit de la population. La population. Merci, je dis un grand merci à cette population qui sait écouter ceux qui lui parlent, à cette population qui est objective dans ses analyses, à cette population qui n'est pas injuste, qui sait ce qui se passe et qui n'écoute pas les discrédits qu'on jette sur les partis ou sur ceux qui travaillent pour le mieux-être de la population. Merci. J'invite, permettez, la jeunesse à travailler suffisamment parce que pour réussir, il faut travailler. Et travailler. Et cette jeunesse-là travaille déjà, les résultats sont déjà là. L'image de vous-même en tant que jeune leader, acteur politique de l'Union progressiste. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation, d'avoir consacré votre temps à nous parler de l'actualité au sein de l'Union progressiste. On va vous retrouver peut-être très prochainement quand l'actualité va évoluer au sein de votre parti politique. Une fois encore, merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Free Speech. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube via le lien de Speedline TV. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech. Merci à l'équipe de la réalisation et l'équipe technique. On se retrouve très prochainement. À bientôt.